Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Durmeux-Cosos et c'est parti. Comment coiffer votre denim comme une star du style? La bonne paire de jeans ou de denim pourrait instantanément faire de vos rêves de style une réalité. Leur polyvalence épique signifie qu'ils ont fière allure sur tous les types de corps et conviennent à toutes les personnalités de style. Un peu comme l'avocat et tout, un véritable incontournable de la garde-robe dans toute sa splendeur. Des jeans aux vestes en denim en passant par les jupes et les shorts en denim, ce qui rend les pièces en denim encore plus spécial, c'est qu'elle se décline en autant de modèles et coupes uniques comme le denim pâté, le double motif, les tissus tachés, usés, doux et durs, surdimensionnés et bien adaptés. La liste se rallonge de plus en plus. Posséder et être capable de coiffer un article de mode en denim de différentes matières est une compétence qui dépasse la tendance et la classe. Les pièces en denim font partie de ces rares pièces de mode à la fois tendance et classique, ce qui en fait automatiquement des incontournables de la garde-robe universelle, car les personnes aux goûts différents en matière de mode ont un amour commun pour elles. Il y a tellement de façons de porter votre denim et la seule limite que vous avez est votre créativité. Ce qui compte le plus, c'est que vous les coiffiez de manière unique pour chaque occasion et que vous les styliez correctement. Comme pour tout look, obtenir le look denim parfait se résume à la façon dont vous les portez avec les bons accessoires et la façon dont les accessoires et les vêtements se combinent pour créer le look que vous visez. De nombreuses fashionistes font des folies avec des accessoires coûteux simplement parce que des baskets de créateurs au sac à main en passant par les lunettes de soleil et plus encore, la bonne pièce de déclaration peut prendre n'importe quel look. Mais même les accessoires les plus adorables peuvent également vous aider à obtenir un look époustouflant, à condition que vous coordonniez vos pièces comme un pro. Pour vous aider à éliminer votre look denim et à acheter les bonnes pièces pour cette saison, nous avons sélectionné quelques-uns des accessoires haut de gamme et des créateurs les plus polyvalents, des chaussures au sac à main comme ceux de vos célébrités préférées et influenceurs de style du monde entier. Voici comment donner à votre denim l'apparence d'une star du style. Les meilleurs designs de la Fashion Week de New York. Ce n'est plus une nouvelle que la pandémie de coronavirus a modifié l'industrie de la mode à plus d'un titre. Des semaines de la mode totalement annulées, à l'annulation de certains défilés en passant par d'autres dont les dates sont déplacées, un constat a été que les défilés de mode virtuels deviennent la norme. Les créateurs de mode comme les passionnés ont tous dû s'adapter à cette nouvelle normalité. Cette année, le président de la CFDA, Tom Ford, a annoncé le changement de nom officiel de la Fashion Week de New York en American Collection Calendar. La Fashion Week de New York vient de s'achever et les créateurs qui l'ont présentée ont prouvé une fois de plus que les rêves peuvent être vendus sur podium. Pour cette saison, presque tous les spectacles et présentations se sont déroulés à huis clos, tandis que les fidèles de la mode regardaient les collections numériques via des films de mode et tournait avec quelques autres organisant des défilés de mode physique avec un public limité. Indépendamment de l'époque à laquelle nous sommes confrontés, il y avait encore beaucoup d'excitation autour des spectacles de la New York Fashion Week 2021. Et les designers ont hypnotisé nos écrans avec des créations à couper le souffle. Pour Preyanda Schuller, la collection qui présentait la belle fille de la vice-présidente Kamala Harris, Ella Emhoff, consistait en des looks minimalistes autant terreux qui étaient structurels, mais avaient une esthétique à leur sujet et criaient à l'équilibre.
Ce fut les débuts d'Ella en tant que modèle EMG nouvellement signé. La maison de couture Ghanaian Studio 189, fondée en 2013 par Abrima Eruya et Rosario Dawson, a emmené la Fashion Week 2021 au Ghana pour célébrer leur héritage. Collection colorée présentait des vêtements d'inspiration africaine comme le tissu ghanéen traditionnel populairement connu sous le nom de Kente et le populaire tissu Tchaïdei ouest-africain connu au Niger sous le nom d'Adir. J'étais un œil à quelques-unes de nos créations préférées de la Fashion Week de New York 2021. Les astuces pour protéger sa peau de la pollution. Les polluants présents dans l'air fragilisent fortement la barrière cutanée. Votre teint devient terne, votre peau est déshydratée et perd de sa tonicité. Pour éviter un vieillissement prématuré de votre peau, il est primordial de faire quelques gestes simples pour la protéger. Nettoyez votre peau en profondeur. Après une longue journée au contact de la pollution, des voitures ou des industries, il est primordial de nettoyer en profondeur chaque soir sa peau. Pour cela, commencez par utiliser un démaquillant, même si vous ne vous êtes pas maquillé dans la journée. Cette étape permet d'éliminer toutes les impuretés, comme les poussières et les particules toxiques. Vous pouvez ensuite nettoyer votre visage avec votre nettoyant classique. Hydratez vos pores. Pour renforcer votre barrière protectrice, il est important de correctement hydrater votre peau tous les jours. Choisissez une crème hydratante riche en antioxydants, en vitamine C et D et en polyphénols. Protégez votre peau avec une crème solaire. Comme vous le savez déjà, les peaux noires et métissées ont également besoin de se protéger du soleil. C'est d'autant plus vrai pour se protéger des effets néfastes de la pollution car les UV ont tendance à accentuer les méfaits de la pollution sur la peau. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Rome Cosos. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Peace.